Protests and strikes against unpopular pension reforms are again gripping France. Thousands of demonstrators marched Tuesday as a strike by staff saw the Eiffel Tower closed. Police have ramped up security amid government warnings that radical demonstrators intended to destroy, injure, and kill. In Paris, striking workers waving burning flares invaded and blocked train tracks serving one of the French capital's main railway stations. It's the latest round of nationwide demonstrations and strikes against unpopular pension reforms, which would raise France's legal retirement age from 62 to 64. On voit très bien depuis le début que le gouvernement n'a aucune envie de négocier, hein, parce que bon, y a une, les syndicats n'ont pas du tout été entendus, il y a même un moment où Emmanuel Macron n'a pas voulu les recevoir. Donc aujourd'hui, à part négocier des miettes, je vois pas ce qu'on a à négocier. Là, on voit que le gouvernement veut tenir la réforme. C'est une réforme qui est aussi dictée par le MEDEF et l'Union européenne. Donc là, ils sont prêts à réprimer tout le monde pour faire passer la réforme. Donc pour moi, pour nous, en tout cas au PRCF, il n'y a rien à négocier. On sait que c'est par la grève qu'on pourra gagner. On est là pour faire plier le gouvernement sur la question de la réforme des retraites. On se rend bien compte qu'il y a une colère immense dans la population aujourd'hui et que vraiment tout le monde est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire appliquer cette réforme, même si elle est passée aujourd'hui en 49.3, et on a encore bon espoir que le gouvernement plie et retire sa réforme, parce que ce qui est sûr, c'est que nous, on ne va pas s'arrêter. Face à un acte d'une grande banalité. Faut-il encore le rappeler ? Notre paillassou, symbole de la liberté d'expression, star des médias locaux. C'est la 10e fois que je viens pour défendre, le droit de refuser quand même de travailler jusqu'à 64 ans, jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. Donc je ne me sens personnellement pas directement concerné parce que je suis en retraite. Donc un peu d'empathie dans ce monde où chacun ne pense qu'à soi. Donc c'est bien d'être là, d'être présent et d'afficher une solidarité quand même. La violence, tout dépend de l'approche qu'on a. Moi j'ai entendu des gens dire c'est le seul moyen. S'il faut aller manifester en chantant et puis manger des merguez et rentrer le soir après avoir perdu une journée de boulot, ça ne sert à rien. Je ne légitime pas la violence, je suis non violent. Mais je comprends les gens qui en arrivent, c'est le suicide est la forme supérieure du désespoir. Donc quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. Nous, on n'a fait qu'une manifestation, on était là la semaine dernière, tout se passait bien jusqu'à ce que ce soit les forces de l'ordre qui commencent à être violents. Et avant, tout se passait bien, on était dans un cortège avec de la musique. Et de mon point de vue, c'est souvent les violences apparaissent à partir du moment où les forces de l'ordre commencent à jeter les gaz, et etc. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler.